prendre un moment de respirer parce que ça fait un bout que j'ai pas été avec vous. Et j'avoue en transparence que je suis habité par beaucoup d'excitation en ce moment, beaucoup de fébrilité également. Alors je vous dirai tout de suite que ce soir, qui est capsule numéro 14 de Vers la Renaissance, sera la dernière, car à partir d'il y a quelques moments, le processus du lancement de ce projet Renaissance est officiellement enclenché. Ouh! Hey, ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet. Et ça pourrait être un autre 4 ans. Alors, c'est de honorer le processus. C'est d'honorer également tous les aspects que je vous dis depuis toutes ces capsules qui vont être faites d'une manière différente cette fois-ci. Alors, en 2024, beaucoup de choses se sont transformées au niveau de la manière de mettre dans le monde de la musique. Et à travers toutes mes recherches et ma guidance, j'ai décidé de le faire d'une manière nouvelle cette fois-ci. Alors, je ne cache pas que de se réinventer, de renaître, et c'est un processus de comme je dis, quasiment de mourir à une partie de nous. Et mourir à soi pour permettre l'espace pour autre chose. Que ce soit un album, une carrière, un emploi, une relation, une amitié. Dans mon cas, c'est la naissance d'un album dont j'ai mis tout mon cœur, tous mes talents, tous mes dons sur tous les plans que je peux. Et mon âme me dit d'honorer tous ces aspects au maximum, de mettre toutes les énergies de mon bord cette fois-ci, pas juste de dire, bon, je lance ça et on espère. Non, c'est d'avoir un plan. Et le plan, on est, après toutes ces années, ces mois de préparation, on est au jour 1 du plan qui est le lancement du premier extrait. On appelle ça un single, j'imagine, même en français, le premier single de l'album. Et je peux vous dire que ça va être le 22 mars. Et d'ici là, vous allez voir émerger on va dire la préparation sur tous les niveaux. Il va être sur toutes les réseaux. On va aller sur TikTok, Instagram, YouTube. Ici, on est sur Facebook et YouTube ce soir. Alors, de créer un engouement pour la journée que ce single soit disponible. Et comme pour ceux qui ont déjà écouté les autres capsules, le premier extrait s'appelle «
tout va changer. C'est une chanson, la dernière, qui a été écrite pour l'album Renaissance. Et il va être le premier à s'envoler vers vous, vers le monde, vers tout le public francophone. Alors, je suis fier de moi en ce moment parce que il y a même une heure et demie, j'ai dit, oh, mais je pourrais tout, et c'est comme, ok, non, là, on clenche. Finalement, on clenche. Et, vous savez, être perfectionniste, il y a ses avantages et ses désavantages aussi. Alors, à un moment donné, il faut dire, ok, j'ai fait le meilleur que qu'est-ce que je peux faire. Et peut-être que ça serait pas parfait. Peut-être que la perfection existe pas vraiment. Parce qu'il y a un idéal auquel on aspire. Et à un moment donné, on dit, ok, je m'accueille dans cela, je m'accueille dans ma quête de donner le meilleur de moi-même. Et si c'est pas parfait, c'est correct. Parce que ça va être merveilleux, ça va être beau et ça va être inspirant pareil. Et je suis rendu là. Alors, juste de faire ce live ce soir, surtout que je vois là-dessus, je vois transmission instable. Je pense que c'est en dedans de moi la transmission et tout le contraire. Je me sens stable, je me sens ancré, plus peut-être que j'ai jamais été depuis des années et des années. Je vis beaucoup de transformations intérieures. Pour ceux qui peuvent voir l'énergie, vous allez peut-être le constater. Je n'irai pas en détail de ça parce que ça m'appartient, c'est personnel. Cependant, je ne suis pas le même homme que j'étais il y a même un mois. Et je suis une version optimale de et tout en humilité, une optimale de qu'est-ce que j'ai besoin d'être pour lancer ce projet. Je travaille depuis un mois, probablement 16 à 17 heures par jour parce que j'ai un autre emploi. C'est le fameux syndrome de tous les artistes qui ont un autre emploi. Pendant des années, c'était mon seul emploi, la musique. Et depuis 3 ans, je travaille comme webmaster pour une autre entreprise. Je reviens ici le soir et je continue à travailler. Et je travaille les fins de semaine pour tout, pour encore, c'est le mot pour honorer ce qui m'habite pour ce renaissance. Et, wow, j'ai tellement hâte que vous entendez, que vous voyez, que vous pouvez baigner dans tout cela. Alors, pour tous ceux qui viennent de joindre à moi, le premier extrait lance le 22 mars. D'ici là, on a 17 jours qui sont tous préparés. À tous les jours, je prépare et je vais vous partager certains aspects de cette préparation. Il me semble, quand j'ai préparé le téléchargement, que pour ceux qui sont intéressés, une semaine avant, uniquement sur Apple Music, et YouTube, je crois, il y aurait possibilité d'acheter l'extrait comme en pré-lancement, pour ceux qui ça peut intéresser. Sinon, la date officielle est le 22 mars. Alors, c'est sûr que je vais vous en parler beaucoup d'ici là. Mais vous savez, dans toutes les années de carrière que j'ai faites, j'ai jamais lancé un single. J'en ai lancé des vidéos, j'ai lancé des albums, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais j'ai jamais lancé un single. Et tout en sachant que l'album, les amis, est prêt. L'album est fini. Il est mixé. Il y a 14 chansons sur Renaissance. Et le 22 mars, il va avoir la première qu'il va lancer. J'ai pas encore allé dans ma guidance, te voir
à quel moment l'album va arriver. Comme on say in English, when I'm going to drop the album. Mais il y a d'autres choses qui sont également prêtes. Il y a un documentaire. Je vous ai parlé qu'il serait plus long que la dernière. Le documentaire est 50 minutes. Il a été découpé en 16 capsules. Ça, ça va commencer à être diffusé également pour créer cet engouement. Il y a une invitée spéciale, magnifique, qui joint Frédéric et moi dans ce documentaire, que je vais vous en parler dans les jours et les semaines à qui s'en viennent. Alors, tout mon silence et ces derniers temps, j'étais à l'œuvre de préparer du matériel. Le documentaire à elle seule est une immense œuvre, immense. C'est quasiment une émission de télévision complète. Ouh. Et ça me met tellement en joie tout ça. Je suis vraiment en joie. C'est pour ça que j'existe. Il y a des choses à venir que je sais même pas encore. Je sais juste ce soir que j'ai pris l'immense pas de dire j'y vais pour le premier extrait qui ouvre la porte à ce monde de renaissance. Alors, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de que vous m'accompagniez dans ce processus. Merci d'être là. Merci de votre amour. Et merci à moi-même. Merci à moi-même d'avoir eu la patience. Merci à moi d'avoir eu la vigilance de prendre soin de cette œuvre. Merci d'avoir eu la tolérance de mon rythme. Merci à moi pour mon âme qui me guide. Et merci à tous ceux qui ont été là aussi pour me guider. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt.